comme vous le savez, de toute façon, que ce soit dans le domaine immobilier ou dans d'autres domaines, les textes sont de plus en plus denses, de plus en plus nombreux, de plus en plus touffus. Maintenant, il y a tellement de choses trappes aujourd'hui dans le droit immobilier, que ce soit en matière de copropriété, en matière de transaction ou en matière de gérance locative, qu'il nous semble effectivement, à nous, avocats conseils, tout à fait indispensable que les professionnels sollicitent aussi souvent que nécessaire, naturellement, mais assez fréquemment, parce qu'en fait, ils sont confrontés de façon assez habituelle à ce genre de problématiques, l'assistance, naturellement, d'un avocat, de préférence, naturellement, qui ferait partie du club des avocats conseils. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Nous nous réunissons de façon régulière, 4 fois par an, 1 fois par trimestre, donc en présence des juristes de la Chambre, qui nous sont d'un soutien réel, naturellement. Nous nous réunissons pour évoquer les actualités juridiques du trimestre, que l'on commente le cas échéant, et c'est aussi et surtout la jurisprudence, en règle générale, de la Cour de cassation ou d'autres juridictions de fond, peu importe, des jurisprudences qui ont un intérêt pratique, naturellement, pour l'activité professionnelle des adhérents de la FNAIM. Dans le cadre de ces conférences, qui sont naturellement thématiques, l'ensemble des avocats conseils intervient selon des schémas et des scénarios qui sont mis au point préalablement et qui apportent, je crois, et aux professionnels et au grand public des éléments tout à fait intéressants et comment dirais-je, fructueux et efficaces. En première intention pour nous, il est effectivement de venir en soutien des professionnels de l'immobilier, des adhérents de la Chambre, mais venant en soutien des professionnels de l'immobilier, nous venons par contre-coup en soutien de leur clientèle, puisque dès lors que le professionnel de l'immobilier est informé des éléments juridiques, de la dimension juridique de son activité, naturellement, il rendra un service plus appréciable, plus apprécié et mieux considéré à sa clientèle. Donc naturellement, c'est aussi au grand public, par contre-coup, que notre mission s'adresse.